normal ça? C'est rigolo ça. Petite cassette. Welcome back to Mince Hints, everyone. I'm your host, Grant, and today I'm here with Sprinkles the Cupcake because we're having a party. Look, everyone, it's Mint. Do you have something you want to say, Mint? What's that? Your friend Fuchsia's coming to the party. Well, that's awesome. Wait, what? That must be him. Let's go let Fuchsia in, guys. Wow. Huh. Looks like he already made his way inside. I wonder where he could be. Do you know where Fuchsia is? Mais c'est Dora. À gauche. Il est à gauche. Il est à gauche. Hi Fuchsia. Il est là. Sprinkles, are you ready for the party? Wait, stop. Oh là. Il bouffe le cupcake. She's our friend. Mais c'est sympa comme tout. Attends, mais c'est trop beau. Le style est particulier, mais c'est super beau. J'ai l'impression d'être dans la télé de Amanda. Dans Amanda's Adventureur. Ah bah pour moi, c'est clairement la téloche. Hein. Le cupcake, Sprinkles. I'm so happy to see you again. It's been so long since you've been here. Speaking of which, you may be wondering how you got here. Let's just say you're one heavy sleeper. Anyway, that's not important right now. What is important is that we're throwing a party, and you're invited. Quick, follow me inside. The party is about to start. A lot's changed around here since you were the showrunner. I bet you won't even recognize most of the cast. After you left, a new showrunner took your place and really shook things up. That is, before the show got canceled, of course. Let's head inside so you can introduce yourself to everyone. On va parler au cupcake. Sprinkles. Let's head inside so you can introduce yourself to everyone. Elle est en mode on rentre à l'intérieur comme ça je peux te présenter à tout le monde. Bonjour. Hey, watch where you're stepping, Buster. I'm down here. Regardez où vous mettez les pieds. Attends, mais c'est lui qui parle? Mais quoi, le toaster parle maintenant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh non, c'est le tapis! Oh, Matt! Oh, Matt, t'as mal fini, toi, dans ma version d'Until Dawn, mon grand. Hein. Ça va? Bah, t'es pas obligé de m'insulter. Who do you think you are walking all over me like that? How would you like it if I stomped on you? Wait a second. I remember you. Il est en train de me gueuler dessus? You must be the special. Il dit, attends une seconde, je me souviens de toi, tu dois être l'invité spécial. In that case, you better finish talking to the cupcake. Ok, dans ce cas-là, tu ferais mieux de suivre Cupcake. Ils vont avoir besoin de tout l'aide possible. Ok. Non mais c'est, par contre, c'était très drôle. Mais attends, mais tout est... Attends, je peux parler à Toasty. Ah, je peux pas lui parler maintenant. C'était très drôle de parler à Matt qui m'a envoyé chier parce que je lui ai marché dessus. Pauvre Mike. Allez. Je vois que t'as déjà parlé à Matt. Vous devriez rencontrer tous les invités de la fête. Dès que vous avez fini de rencontrer tous les invités, venez me retrouver dans le salon. D'accord. Oh, il y a du monde hein, à qui on doit parler. Hein. Eh ben. Moi, j'ouvre le frigo. Je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui parle dans le frigo aussi. Toasty, on y va. Tu n'es pas là pour me mettre dans la baignoire, n'est-ce pas? Ah non, ça, c'est dans Baby Niello. Non, mais... Non. No. Ah, oh, Dieu merci. J'ai dû te prendre pour quelqu'un d'autre. Super. Ok, bah apparemment, il y en a qui ont vécu quelques traumatismes, mais ça va bien se passer. Bah, Matt, on lui avait parlé, hein. Ça va, Matt? Matt, il fait un peu la gueule depuis ce qui s'est passé, que je peux comprendre. Là, j'ai monté le son, les gars. Oh, c'est quoi un petit micro? Mais attends, mais c'est... J'aime trop les graphismes du jeu. Ça, c'est qui? Sprinkles. Mais attends, je peux peut-être ouvrir les portes.
Ah! Mais c'est sympa comme tout! Donc on va papoter. Bonjour, monsieur la baignoire, Toby! Glug, glug, glug. That's the sound. C'est le son que fait quelqu'un lorsqu'il se noie! Allez, on va faire les autres endroits, hein, c'est pas gênant. Glop, 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 c'est le son que fait quelqu'un quand il se noie. Je trouve ça super glauque. Mais on y va, on avance. Oh, un couteau, Stabby. How many? Combien? I can't remember anymore. Je m'en souviens plus. There were so many. Il y en avait I'm tellement, j'ai perdu la trace. C'est glauque parce que les fenêtres, c'est littéralement des toiles, des dessins qui ont été faits, la peinture. J'adore le jeu pour le moment. Les graphismes et tout, je sais pas si on a un gosse ou pas, mais j'adore pour le moment. Ok, bah il nous reste combien de personnages encore à découvrir? Ouais, c'est des tableaux. Doudoum, doum, doum. Bon, il y en a, il fait toujours la gueule. On ouvre par là. Oula! Ne pas rentrer. Ah bah ils doivent être là les deux. Ah bah voilà, Washer et Dryer. It wasn't me, it was her. I swear. It wasn't me, it was him. I swear. C'était pas moi, je le jure, c'était lui. Et lui, il est en mode, c'était pas moi, je le jure, c'était elle. On va parler à Cupcake. Mais what? On y va. Cupcake, on a besoin de toi. Par contre, la porte était très bizarre là-bas. Yay, it looks like you met everyone. Ah bah on dirait que t'as fait connaissance avec now tout le monde. Allez, maintenant, on va commencer le petit jeu. Pour ce jeu, tu dois trouver les indices éparpillés dans la maison. Les indices ne sont cependant pas visibles à l'œil nu. Ah, tu dois utiliser la flashlight qui est sur la table. Tu peux trouver tous les indices, etc., etc., dans le carnet qu'il y a dans le tiroir. Chaque fois que tu as terminé, reviens ici sur le siège de résolution pour comprendre ce que l'indice contenait. Équipe la flashlight. Ok, mais j'ai un peu peur. Ah, ça, c'est une flashlight. Mais du coup, c'est une flashlight cœur. Oh, c'est une flashlight cœur. Oh, c'est trop mignon. C'est une flashlight cœur. Alors, où est mon notebook? Équipe, happy, machin, notebook. Attends, il est où? Glob, glob, glob. Il est où, mon petit notebook? Bon, on va retourner au salon. C'est peut-être pas par là. On va aller voir. J'aime trop les graphismes. Alors là, c'est dans la zone à Barbie. Là-bas, c'est la zone à Billy. Ici, c'est la zone à Agatha. Où est mon carnet? C'est peut-être là. Attends, mais peut-être si je fais tab, JB. Ah, dans le tiroir à côté. Ah. Bon, alors apparemment, j'ai fait un truc qu'il fallait pas faire. Ah, c'est bon. Ok, dans le tiroir à côté de Sprinkles. On y va. C'est vrai qu'elle a dit dans le tiroir, je crois. C'est moi qui fais aucun effort. Ah, super. Ok, trouver les empreintes. Pourquoi j'ai peur? Attends, je peux voir le cahier? Bon bah... En fait, faut pas faire tab. J'ai fait tab, ça a foutu la merde. Il fallait pas. Ah, ça y est. Bah surtout pas faire tab, quoi. Oh ! C'est quoi, ça ? T'es malade ou tu vas me bouffer ? Ça, oui. On peut pas lui parler maintenant ? Chainsaw.
On est dans Massacre à la tronçonneuse ou... Je suis sciée. Attends, mais c'est le chat qui t'a fait ça? I'm sorry. I didn't mean to. It was my friend. C'est Mint? Attends, tu sais que je me chie dessus, là? On avait tout à l'heure une petite musique et tout. Là, on n'a plus rien. Je me dis qu'il y a un monde dans lequel on est dans la merde. Ok, bah j'éclaire partout. 100% qu'il va y avoir un truc glauque. C'est trop mignonné le jeu. C'est beaucoup trop chou. Ici, il y a un truc 100%. Là, sur la table. New Showrunner. Oh la vache. Bon, on va quand même se lire parce que je me dis, si jamais c'est un truc important... Alistair Crum peut sembler inattendu, choix pour le rôle avec son expérience en robotique. Ingénierie, cependant, les producteurs de Mint Int doivent tirer son expérience unique. Alors, attends. Et du coup, Mint Int, c'est genre une émission? Apportant une approche innovante, twist au spectacle, après avoir passé des années à concevoir une machine complexe de résolution de problèmes, Crum est habitué à décomposer des concepts compliqués. Ok... L'émission télévisée pour enfants bien-aimés Mint Int et se sépare pour une nouvelle ère avec le rendez-vous d'un nouveau showrunner. Alistair Crum, un ancien ingénieur en robotique, a été nommé. Créatif, nanana, ok. Donc c'est une émission pour enfants, Mint Int. Même si Crum a ouvertement partagé sa vision élargie, l'attention du salon pour le système, les initiés suggèrent qu'il planifie tranquillement beaucoup plus de changements radicaux qu'il n'a pas encore une source à louper. Ok. Ok, donc en fait, il a voulu changer l'émission, en fait, le gars, là, Alistair. Il va m'arriver une merde, là, non? Ok, du coup, c'est pas ici. Il y avait 3 trucs à trouver en tout? Ah, tu me diras, ça se trouve c'est dehors. Je sais pas si c'est dehors ou dans la maison. Get off me, jerk. Ah. How many times do we have to go through this? Lâche-moi, combien de temps est-ce qu'on doit vivre ça? Pardon, pardon. Ah, je peux pas sortir en fait, il est pas très content quoi. Moi je me suis dit, on peut sortir tranquille. Il veut pas. Si je lui parle, elle dit quoi? Ouais, voilà, quand on aura trouvé toutes les preuves, reviens me voir. Ok. Bon bah c'est pas dans cette pièce. Cette pièce, on avait trouvé un truc ou pas? Ah mais on peut sauter dans le jeu. Bah donc est-ce que ça peut pas être dans l'évier? Attends, j'ai vu d'or. Oh! Mint! Mint qui est trop pipou, mais ça se trouve connerie. Je vais me prendre un screamer, je vais pas être prête. Ok, c'est bon. Ouais, t'as trouvé toutes les preuves. Il est maintenant temps de rassembler ces indices et de comprendre ce qu'ils signifient. Assieds-toi sur le siège. J'ai peur. Mint, la tronçonneuse, le nouveau showrunner. Et Mint a tronçonné le nouveau showrunner. D'accord. Allez, on va pas paniquer. Ah non, essaye encore. Oh, alors le nouveau showrunner, il a fait du mal à Mint. Oh, mais c'est incroyable. Oh. Et s'il l'avait protégé? Oh merde, donc c'est le showrunner qui a voulu lui faire du mal. C'est comme ça. J'ai trouvé. Oh la pauvre Mint, c'est le mec qui a voulu lui faire du mal. Ah c'est très rigolo que ça change hein. Mais c'est horrible. Mint est celui qui a organisé la fête. Oula.
I've said too much. Oh non, j'en ai trop dit. C'est mauvais. C'est vraiment mauvais. No, wait. Sprinkles? Putain, il y a plein de M&M's. Sprinkles? Oh le... Il y a des M&M's partout par terre. Oh bah... J'arrive. Sprinkles? Attends. Oui, allô? Hello? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous m'écoutez, vous devez partir maintenant. Il devrait y avoir une porte dans la buanderie qui mène à la sortie, mais... Ah, il a besoin d'une flashlight spéciale pour la trouver. Oh non. Oh non, il me dit que la flashlight spéciale, elle pourrait être quelque part. Encore une chose. Soyez prudent en sortant. Les renards peuvent être extrêmement rusés. Good luck. D'accord, on est d'accord que ça, c'est pas du tout la bonne flashlight. Flash bright. Ah, donc là, on est... Maintenant, on a deux flashlights. C'était pas assez la merde comme ça. Il a dit dans la buanderie, dans la chambre, du coup. C'est ici, non? C'est pas ici la buanderie? J'ai très peur. Ah non, mais me dites pas que je dois jouer avec les couleurs en fonction de Mint et l'autre là. Parce qu'il y avait deux chats quand même au start. Non, c'est pas là. Ah, là où il y a les machines. Oh non! C'est l'endroit méga sombre là. Oh, j'ai très peur. Hein. Ok, bah on y va, ça va bien se passer. Hein. Il n'y a pas raison de paniquer. Hein. Ouais, bah je pense que la clé elle est quelque part. D'accord. Bon, bon, eux ils savent pas. Vous pouvez pas leur parler pour le moment. Oh, il doit bien y avoir la clé quelque part. Peut-être dans le frigo, je me dis. Parce que moi, j'aurais bien cherché dans les machines à laver. Je me dis, regarde, une clé dans un jean, tu vois. Mais on peut pas ouvrir. Dans le panier à linge. Mais d'un côté, ne pas descendre, c'est quelque chose qui me va aussi. Pourquoi s'emmerder? Pourquoi est-ce qu'on va se fatiguer en... C'est quoi ce bordel? Quoi ce bordel? C'est la logo de mort, super. Est-ce que c'est un indice pour me dire où est la clé? Bah, franchement, c'est une belle ambiance de merde. Oh, le jeu est incroyable. J'aime trop. On va continuer de fouiller. Pour le moment, je sais pas encore à quoi ça sert ça. Oh là là. Alors, est-ce qu'on a pas... C'est ça. C'est les logos sur le frigo. Bah alors, est-ce que pour le moment, ça va nous servir? Il faut trouver la clé. Où pourrait être cachée une clé? Pas là. Bah attendez, je me dis que s'il y a vraiment une clé...
Ça, on peut pas ouvrir? Yes. J'ai peur. Je le sens venir. Je connais ces trucs-là. J'en ai fait du jeu d'horreur. Au début, c'est un château mignon, puis à la fin, allez hop, 180 degrés dans le four, chaleur tournante, pour qu'il croustille. Et voilà. Il est possible que là je me sente pas bien. La fenêtre avec la lumière rose. Non, pour le moment tout va bien. Ah, c'est fou! Le logo. Sur les tombes. Je me gratte la truffe, attendez, je panique. Normal ça ? Et là, je veux faire quoi? D'accord. D'accord. Bah, on va... Elle mange la pâtée. Dites-moi que c'est la pâtée. C'est la pâtée, c'est quand même pas cupcake. Oh merde, cupcake. Oh merde. Cupcake, tu m'entends? Cupcake! Tu m'entends? Je vais te remettre au frigo. C'est pas bon, hein. Et qu'est-ce que je fais? Ah! D'accord. Oh, ça m'a l'air un chat, ma foi. Et comment pousser ces trucs-là? Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais? Ok, donc c'est là, c'est scripté, il est en face. Eh bien, comment je fais? Je cours. Je peux pas courir.
Oh, ça n'arrête plus! Oh! Ah là, faut me laisser tranquille maintenant, hein! Foutez-moi la paix! Moi, j'aimais bien les chats à la base, hein! C'était sympa comme tous les animaux! Cupcake, je vais le chercher! Je reviendrai, Cupcake! Wood, c'était quoi ça? Il y avait un tout petit chat? Oh, je vais crever. Oh là là, puis encore plus bas, non? Oh là là, les backrooms! Oh les backrooms! Étage moins 40 000. Ah, on la connaît cette animation. Elle était bonne, Cupcake? On s'est régalé? C'est quoi ça? Hey everyone, it's Grant. Welcome back. Il recommence. What's that mean? The art corner? Well, that's so much fun. You're right, we should do that. Come on, let's go. Wow, look at that, guys. There's a picture of Min. C'est quoi cette affaire? C'est pas censé se passer, il a dit, je crois. J'imagine que c'est moi. Guys, if you want to enter your artwork to be in the next art corner, go to the link below. If you love Mint's Hints as much as I do, help support us so we can keep the show running like it's always been. What's that? What do you mean it's too late? No, you already replaced the showrunner? No, not with him. Oh my god, not him. You know what his plan is. You can't do that. This is horrible. What? C'était pas mal. C'était pas mal du tout, hein. J'ai vraiment bien aimé le délire, les gars. J'espère qu'il y aura un chapitre 2 parce que j'ai bien kiffé le délire. Moi, j'aime bien les jeux qui font un peu comme ça. Il y en a certains. Autant je kiffe les Until Dawn, les First to Fatom et d'autres jeux. Mais les jeux comme ça, où, qui font un peu enfantin, tu te dis « Oh, ça fait pas peur. » Puis en fait, t'as un délire glauque derrière. Les genres Amanda's The Adventure, tu te dis « Oh, c'est un jeu, ça genre Dora l'Exploratrice. » En fait, non, c'est vraiment un jeu d'horreur, quoi. Oh là 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 là, vraiment très bien. Tu donnes combien? Franchement, je lui donne un bon 8 au jeu, hein.